Donc aujourd'hui, 22 août 2011, on est à la veille d'une très belle vendange. Alors évidemment, une vendange d'août, c'est quand même toujours surprenant, alors que les Français sont encore en vacances à la plage ou commencent à rentrer. Nous, on est déjà prêts à aller dans nos vignes pour cueillir les raisins. C'est quand même un sacré décalage. L'année dernière, c'est presque un mois d'avance par rapport à l'année passée. Donc une vendange d'août, c'est quand même une remise en cause par rapport à nos habitudes. Mais bon, c'est aussi ça le plaisir d'être vigneron. On savait que l'année allait être hâtive. Si juillet a été un petit peu froid, ça a continué quand même à mûrir et fortement dernièrement au mois d'août. Donc de la maturité, il y en aura. De la fraîcheur, en vendangeant demain, on va commencer tôt à 6h30 à l'aube, entre l'aube et le lever du soleil. La rivière aussi apporte une forme de fraîcheur naturelle. Donc tous ces paramètres-là, on va essayer de faire au mieux pour récolter et pour cueillir les plus beaux fruits possibles. Voilà le programme pour la vendange 2011. On va se faire plaisir, on va profiter du beau temps et des beaux raisins. Et on verra à la fin. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais continuer à aller goûter les raisins dans les différentes vignes pour voir jusqu'à la dernière minute par laquelle commencer, laquelle deuxième jour, etc. Donc, il y a encore de quoi faire.